Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà sur Diablo 3. Bon, hier c'était pas fameux. J'essaie de réfléchir à une façon d'avoir un peu de clarté sur mon visage. Je pense qu'il va falloir une petite lampe qui m'éclaire un peu le visage quand il y a trop de clarté. Il y a forcément quelqu'un quelque Quand part il y a et que trop je de serais en train de clarté regarder dans ça. la pièce comme là. Je suis assez foncé, je pense qu'une petite lumière qui viendrait mettre un petit peu de clarté sur mon visage, ce serait un peu moins, il serait un peu moins foncé dans les cadres ou même partout. Faudrait que j'investisse dans une petite lampe pour éclairer mon visage, parce que là on ne voit pas très bien, malgré que voilà, la clarté de la pièce y est. Je vais voir. Si vous avez des idées de lampes, je pense qu'il y a peut-être des petites lampes USB qui peuvent se brancher sur l'ordinateur. Et histoire d'avoir quelque chose de pas trop trop puissant, mais quelque chose qui éclaire quand même un peu le visage pour que vous ayez un peu plus de visibilité sur le streamer qui est en train de s'embêter à Diablo 3. Parce que oui, effectivement, je vais peut-être m'embêter à Diablo 3 aujourd'hui. Effectivement, tu vas. J'attends rien de cette session encore une fois parce que là maintenant je pense que je me suis résigné. Là, ce qui va être intéressant, c'est de faire des failles avec un niveau supérieur. Et pourquoi pas améliorer des armes. C'est le pognon qui pose problème. Encore une fois, c'est vraiment l'argent. Donc je vais faire une faille normale déjà. Et à voir ce que ça va donner. Alors je suis en tourment 7, j'ai pas bougé. Normalement, ça a pas dû bouger. Je vais voir ce que ça a donné. Donc voilà, Assurément qu'il y aura un je mystérieux comprends, mort. hein, je ne vous en voudrais pas si vous ne me regardez pas cet après-midi en train de streamer. C'est un petit peu normal, ça peut être un peu redondant. Je le fais moi si je reste connecté, au final c'est histoire de causer un petit peu, hein, meubler un petit peu bah, cette session de jeu qui au final est peut-être un petit peu contraignante pour moi maintenant. Mais comme j'ai envie de continuer et ouais, d'avoir ce chapitre 4, c'est ça que je voulais voir. C'était modifier difficulté. Je suis bien en tourment 7, ok. Il faut attendre. Mais. Ce que je vais faire après, donc là je fais la faille Nephalem et j'attaquerai le niveau 27 que j'ai pas réussi à. Enfin si je crois que j'avais réussi. Enfin je reprendrai le dernier niveau que j'ai fait hier. Je vais pas faire trop de mouvement. Voilà, tac. C'est vraiment l'argent qu'il faut. Je suis à combien en argent? 1 500 000. Bon, j'avance bien, c'est super.
tant mieux. Au moins ça va être moins chiant. D'avoir changé la difficulté au final, c'est pas une mauvaise chose. Ça explose. Ça pète, hein. Ou de la thune. Toc, bon, je suis à 38%. La thune 1000, c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Je dois me soigner. La mort te tend les bras. Assez de mal. Je
J'ai un peu plus de la moitié là. Allez hop, niveau 62 par en gros. Alors, ouais, je peux essayer d'aller par là, mais à mon avis, c'est un fût de sac. Oh, il y a de la thune là. 8000. C'était bien un fût de sac. Encore de la thune là. Ah, déjà il y a des trucs intéressants.
97%. C'est calme. Hein. C'est le même que qu'hier. Sauf que j'ai eu moins de temps à le battre. J'ai même pas un légendaire, c'est hallucinant. J'ai même pas un légendaire. Ce n'est pas encore prêt. Bon, bah au moins ça va, ça veut dire que le tourment 7, je le gère. Tant mieux. Bien combattu. 318, mais pff, ça rapporte que dalle, quoi. Je vais aller au bouquin. Donc ça rapporte rien en thune. Je loot car en plus... compagnon, je vois ce qu'il a. Il n'y a rien de mieux. Alors là, j'ai. C'est con, hein. À moins que je peux. Ouais, je vais laisser l'hôtel à une chasse, donc. C'était l'arrache-cœur, quoi. Coup de hache. Donc là, c'est pareil. Bah, celle-là, je jarte. Merde. Et coup de hache. Bon, je vais pouvoir faire un essai, encore une fois. Je vais jusqu'au bout. Bon, de toute façon, là, c'est pareil, c'est la chance qui va être perdue. Toujours pas de chasse. Si c'était les parangons que je voulais. Ouais, j'ai eu deux niveaux. Ça va pas aller loin. Toc. Bon, alors, je vais faire une faille supérieure. Donc, c'était le dernier niveau, j'ai fait 27. Allez hop. Les ennemis des Néphalem vous encerclent.
plus de patience. La malfaisance de Ponga, lui assez de mana. Merde. Je fais le tour pour rien. Ce n'est pas encore prêt. Je n'ai pas assez de mana. Allez. Ce n'est pas encore prêt. Il y a assez de mana. Science. Je frappe en plein cœur.
Bon, ça lag. Boum, allez! Voilà. Ça, je vais avoir que des échecs. C'est pas grave. Taï Ghoul. Pas grave. Alors par contre, il faut que je prenne, c'est la fameuse page à chaque fois. J'oublie à chaque fois de la mettre. Alors. Ouais, déjà je gagne de la thune. Alors. Évidemment j'ai encore eu des anneaux. C'est pas ça qui va marcher. Alors, il est où? Merde. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, étincelle de vie. Moi, je me tâte à prendre celle-là quand même, parce qu'elle est plus puissante. Ok. Si je l'ai pas en double, non, je l'ai pas en double. Okay. Ensuite, anneau de l'arcin et voix du destin. À mon avis, c'est. Je n'en ai pas besoin. Pareil, le cube de kunai, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, alors voilà. Pêche, anneau de vacuité, j'ai pas. Donc, ça, je peux mettre. Ah bah j'ai deux fois le même. Celui-là je le recycle. Voix du destin. Non. Non, j'ai rien d'autre en fait. Compagnon. Que dalle. Allez, on va recycler tout ça. On va recycler tout ça, ok. Ce que je vais faire. Là, j'ai une chasse. Je vais essayer. J'ai pas. Non. Et je peux pas faire plus que ça. Merde.
Pas de chasse. Peut pas. Donc ça donne rien. Qu'est-ce que je me fais? Je me refaire la 28, je fais niveau 28. Salut Needles, comment ça va? Un peu de patience. Les esprits vides de mon bras. Ah nickel. Il faut attendre. Surtout avec ce que je viens de m'acheter ce matin. J'ai la patate, hein, avec le temps qu'il fait et tout. Encore prêt. Alors tu vas streamer tantôt là? Tu vas bientôt te préparer peut-être? Il est 17h mais Ouais, tu streams à quelle heure? 18? Ça je vais t'afficher dans mon navigateur, je vais te regarder. 17h30? Ok, nickel. De toute façon j'aurai la notif dans le Discord donc T'as vu la good news là, tu dois être content hein, pour GTA à pouvoir s'en faire. Plutôt que prévu, hein. Je pensais pas avant le mois d'octobre et au final, bon je sais pas quand est-ce que je vais recevoir ma tour mais... J'espère la recevoir la semaine prochaine quand même. Ah oui, ah, je savais pas. Par contre je peux pas le télécharger pour l'instant, je comprends pas. Il est activé, donc mon compte, il est bien activé sur mon compte Rockstar. Donc là, c'est nickel. Par contre, quand je veux l'installer, je veux le télécharger, ça marche pas.
Ouais, j'ai créé un compte déjà. Et j'ai déjà créé un compte, hein. D'ailleurs, faudrait que je t'ajoute dans mes amis. Mais j'ai. Ouais, je m'inquiète pas. De toute façon, j'ai pas y joué tout de suite parce que tant que j'ai pas l'ordinateur, là sur cet ordinateur-là, c'est pas la peine, hein. Mais ça empêche que je vais quand même garder mon portable pour ce qui est communication textuelle comme ça, mais je peux pas jouer au jeu, quoi. Alors j'ai GTA 5 en des maths, mais je peux pas. Celui-là, je suis déjà allé là. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Après, le temps que toi, si tu dis que c'est jusqu'au 19 que t'es ban des serveurs, d'ici là, j'ai peut-être le temps de recevoir ma tour. Tour, le clavier, la souris, c'est bon, je vais recevoir ça vendredi. Ouais, on a le temps, largement. Clavier, souris, je reçois ça vendredi parce qu'il a fallu. Clavier de gamer et de souris gamer, mais le tout pour 20 balles, donc ça doit pas être de la très bonne qualité, mais ça va faire son. Sa fonction. Ouais. Il est rétro-éclairé, tout ça, il est super beau. Tout est. Il y a plein de touches colorées, tout ça. La souris aussi. C'est vraiment gadget, mais bon. De toute façon, la souris encore, j'en avais pas besoin, mais clavier, j'avais besoin, quoi. Bon, 20 balles. Ah, toi aussi, il est de couleur. Tu l'avais acheté combien ton clavier? Je suis sûr que tu l'as acheté une blinde avec la config que t'as. Ce qui est pas mal avec la tour, c'est que je vais pouvoir. Je vois le côté 75. Ah ouais, je l'ai payé 50 € de moins que toi. Mais apparemment, les commentaires sont bons sur. Je l'ai commandé tout sur Amazon et apparemment, c'est bon. Tant que les gens sont contents qu'ils l'ont acheté, ils sont contents. Comme l'ordinateur, c'est pareil. Je dois attendre. Et voilà, même l'ordinateur, c'est ça qui est bien, c'est que là pour l'instant c'est une config de base, mais j'envisage après d'acheter quand même, améliorer mon matos à l'intérieur de la tour, quoi. Là, il me fallait un truc à petit prix qui soit assez performant pour pouvoir faire tourner OBS et puis GTA. Et j'envisage d'améliorer quand même le machin. Mais ça va donner. Je vais essayer de le recevoir quand même. Oui, c'est Diablo 3. C'est pas mal ça aussi. Mais c'est sympa, mais à plusieurs. Enfin, je te le conseille, hein, si tu l'as pas cher, normalement tu devrais pas l'avoir à cher. C'est pas mal. Mais à plusieurs. Il y a plein de petits défis, après ça peut être redondant. Et moi je te le conseille. Là c'est quand même sur un avis positif malgré que. C'est beaucoup de gestion d'équipement si tu veux. Le problème de ce jeu là, c'est comme dans GTA, c'est que tu vas tomber sur des joueurs qui sont modés et. Mais si tu joues avec des potes de confiance, normalement tu n'auras pas ce problème là. Moi j'ai de la chance, c'est d'être tombé sur un follower Twitch qui a bien su me guider et pas me faire avoir. Ouais.
Mais sauf que là, t'es pas ban. C'est ça la différence avec GTA. Celui-là, t'es pas ban, quoi. Tu peux. Tu peux être modé, mais tu seras pas ban, quoi. Donc c'est un petit peu abusé. Ouais. Et moi, j'ai été. J'ai été victime hein, d'un mec qui m'a modé. D'un modeur. Ouais. J'attends. Pas de soucis. Je reste là, de toute façon. Je bouge pas. Faut juste que j'arrive. Ouais, faut que je remonte là-haut. Pourquoi je suis. À 99%. Oh, il est déjà mort. Ok, il est déjà mort. J'ai merdé sur le temps. Alors, est-ce que je vais améliorer? Ouais, un échec. Wow, j'ai réussi à améliorer ça. Je dois rentrer. Alors. Je vous octroie. Alors 1 700 000, ouais, ok. Bon, l'XP par contre ça y va. Là j'en ai pas besoin de ça, les bottes. Et le compagnon, bah que dalle. Le compagnon que dalle. Brodequin de feu. Bah attends, autant que je la jette celle-là, j'en ai pas besoin. Tac. Bon, alors. Ensuite. Toujours pas la chasse. Ça change pas. Ça change pas, j'arrive pas à l'avoir cette putain de chasse. Cette putain de chasse. Combien de temps il va me falloir pour l'avoir cette chasse? Bon, alors, je vais me faire une petite faille normale.
Pardon. Je tapais dans le casque. Allez. Pas grave, c'est pas grave. T'as pas à être désolé, hein, Needles. Mais ouais, en parlant du jeu, c'est pas mal, hein, Diablo. Si tu peux l'avoir pas cher, je te conseille de l'avoir, si vous voulez. Ouais, faut aimer le style. Hein. Et pour te dire, tu vois, le compteur 168 en bas à gauche. Juste à côté de la barre bleue, et bah celui-là il peut monter jusqu'à 20 000. Tu te rends compte, 20 000 et je suis qu'à 168. Ouais, donc c'est pour ça, le temps que tu sois au maxi de ton perso, pour l'instant, je connais personne qui est monté normalement au niveau 20 000. Il y a que les joueurs modés qui sont au niveau 20 000. Mais ouais, ça peut être sympa. En plus, t'as des saisons qui font que tu gagnes des éléments d'armure super performants. Voilà, par exemple, là, j'ai une araignée. Et ça, c'est parce que j'ai rempli un chapitre dans le mode saison. Donc c'est pas mal, quoi. C'est vachement intéressant. Par contre, faut aimer refaire 36 000 fois les mêmes missions, quoi. Je sais que ça, ce jeu-là, Zarox, il l'adore, mais c'est un de ses jeux préférés. Tu prépares live? Ok. Bah, de toute façon, j'aurai la notif, donc je te rejoindrai dès que je pourrai.
Allez. Voilà. C'est pas tip top, hein. C'est 15%, mais c'est hallucinant. C'est trop long. Ah, c'est pareil, dans ce jeu-là, t'as plein de niveaux de difficulté. Costaud là les ennemis, je comprends pas, j'ai pas augmenté la difficulté pourtant. J'ai plus de temps à mourir. Alors sur PC la version est légèrement différente. Je crois que l'affichage n'est pas du tout pareil. À voir, mais j'ai vu des sessions sur Diablo 3 sur PC et c'est pas du tout la même présentation. Mais c'est le même jeu, si. Bah d'accord, je suis mort. Assez de mana. Quelle manastrophe! Ah! J'ai un légendaire. Et d'ailleurs, ça se trouve, il y a sur Instant Gaming ce Diablo 3. Je serais pas surpris qu'il y soit. J'ai pas regardé. Et s'il y est, je suis sûr qu'il est même pas à 10€. Ouais. Ouais, c'est un jeu que beaucoup de joueurs jouent et par contre ouais je pense qu'il doit être dans les prix de GTA 5. Parce que sur PlayStation 4 hier on peut l'avoir à 25€ maximum. 25 ouais, à partir de 25€ je crois. Minimum. Mais je pense que sur PC tu peux l'avoir deux fois moins cher sur la plateforme Instant Gaming ou Steam. Mais ça c'est pas mal ça. C'est bien à faire un plusieurs par contre. Par contre. Ah ouais, ah, tu vois. Alors ce jeu là en fait, le truc, si tu veux pas être emmerdé par d'autres joueurs. Et surtout les modés, c'est de pas le streamer comme moi je fais en final. Voilà, si je stream et qu'il y a un joueur de Diablo qui a modé son truc, encore s'il veut jouer avec moi, je lui dirais bah non, je suis en mode saisonnier et tout ça, donc j'ai un peu l'excuse. Mais quand tu fais du mode normal, au final, les mecs ils peuvent te modder ton perso et ton niveau. Donc l'idéal c'est. Pas le streamer quand tu.
9,53€, il vaut le coup. Hein. Sachant qu'en plus, t'as tous les DLC, je crois. T'as vraiment tout. Quand tu penses que le pack Necromancia, il y a un ou deux ans. Enfin, non, et plus que ça. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le pack Necromancien. Mais il coûtait rien que 20€, quoi. 20€ le pack. Tu te rends compte? Là, maintenant, t'as tout. T'as le jeu plus tous les DLC à. Il y a un DLC. Ah bah, c'est le DLC Necromancien alors. Donc en fait pour 20€ t'as tout. Oui c'est ça, Reaper of Soul. Bah ça c'est le jeu avec les DLC ça, c'est Diablo 3 avec les DLC normalement. Alors, t'as peut-être un Diablo 3 tout court et un Diablo 3 Reaper of Soul. Et Reaper of Soul, c'est vraiment. Je pense que c'est. Enfin, c'est la version que je joue actuellement. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, donc au final, vaut mieux prendre la version Reaper of Soul à 11,88€ que juste Diablo 3 à 9€. Parce que pour 2€, t'as quand même des bons DLC et des classes de perso en plus, notamment la classe Nécromancien. Ça peut être intéressant de jouer les nécromanciens, surtout que c'est marrant. Et si un jour tu l'as le jeu, moi j'ai une adresse pour configurer au mieux ton perso, quoi. Avoir la bonne comment dire le bon équipement pour être le plus performant possible, quoi. Je ne peux pas faire ça. Ah bah ça change de GTA et compagnie hein, par contre. Hein. Quoi? C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, mais c'est intéressant quand même. T'as une côté gestion qui est très forte. Tu améliores ton équipement, ton perso. Il y a plein de trucs que tu améliores. Donc, si t'aimes bien le côté évolutif d'un jeu, les côtés challenge, franchement, c'est bien fait pour toi. Lui. Bah, le mode histoire, par contre, le mode histoire, tu peux le torcher en une dizaine d'heures. Par contre, le plus intéressant, c'est le mode saisonnier. Où t'as 6 mois pour faire remplir la saison. Donc là, si jamais tu avais le jeu, bon, ça va peut-être pas le coup de commencer le mode saisonnier parce que ça s'arrête au mois de juin, je crois. T'as 2 saisons par an. Là, on est rendu à la 16e saison, mais de rien. Hop, bah j'ai récupéré un niveau de plus. Toc. Réussir à la finir quand même là.
enfin 16%. Grave, à tout à l'heure. Bon live à toi, amuse-toi bien. Je vais ouvrir une, je vais faire un petit coup tout à l'heure sur ta chaîne. Un peu de patience. Ah oui, merde, j'ai oublié de prendre. Merde, j'ai oublié de prendre celui-là. Bon, c'est pas grave. Y'a plus de thunes là. Je retourne en ville. Alors. Toc, tiens, je vais te faire un petit coucou. Alors, Orek. Il est toujours, toujours radin. Malheureusement. Papier, pareil, ça c'est des choses, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, c'est deux trucs ça. Non, j'ai tout fait là. Revenons immonde de Mana Juma. J'ai jamais fait. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a sur le Discord? Tac, je vais mettre un petit message. Ça tourne. Alors, je vais vendre. Je vais recycler des choses. Je peux même pas améliorer quoi que ce soit. J'ai pas gagné assez d'argent sur la faille normale, quoi. C'est hallucinant. Je peux rien faire. À part. Monter mes deux parangons là. Bon, alors. Qu'est-ce que j'attends? Vous tiens, elle. Vous avez besoin d'un nouvel objet à l'utilité encore indéterminée. Parce que je sais pas du tout c'est quoi comme truc qu'il faut. En équipement. C'était à une main ou quoi? Visage. Ça c'est ok, alternatif, carapace, griffe. Je sais pas du tout c'est quoi en fait. C'est un gant. Une griffe c'est des gants. Merde, ce que j'ai fait. Merde, quel con.
Donc les griffes, c'est des gants. Bon, ça c'est... Ok. Bandelettes, mais ça c'est pas... C'est pareil, c'est... Les bandelettes, c'est pas les armes. Ouais, ceinture légendaire. Ornement. C'est quoi un ornement? Brassard, donc c'est un brassard, ok. Carapace. Mantelet. Bah non, mantelet c'est pareil. Épaulette. Épaulette. Visage, ça c'est la... Ah, ça va être ça. Moissonneur sacré. Dague. C'est une dague légendaire. À une main. Donc j'ai à une main. J'ai une dague. Et Villeruche, ça doit être pour l'autre. Main gauche. Ok. Bon. Bah, là du coup, ouais, je sais même pas si je vais le trouver là-dedans, quoi. Je ne peux pas me l'offrir. Peut rien s'offrir. Donc moissonneuse sacrée, mais je l'ai pas, hein, la moissonneuse sacrée. Regardez si le compagnon... Je vais regarder quand même là-dedans si j'ai pas moissonneuse. Eh bien si, je l'ai la moissonneuse sacrée. En plus. Je l'ai. Mais pourquoi je la mets pas? Ah, faut qu'on m'explique. Pourquoi je la... Et qu'est-ce qu'on demande de mettre? Arme, il faut que je mette une émeraude. Donc émeraude. Ah, je peux pas. Puis là, est-ce que je peux mettre une chasse? Merde. Faudrait que je mette une chasse à mon arme. J'ai pas un cube. J'ai des plans là en plus. J'ai pas de cube. Fessé? Intelligence, vitalité. Thank you.
Bon. Puis là, elle est moins puissante que l'autre. J'avais fait une... Qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, il va falloir que je fasse un. Je vais peut-être refaire le dernier niveau avec ce que j'ai là. Serez-vous assez fort pour survivre à ces épreuves? Il faut attendre. Faut pas que je reste là. Encore prêt. Une frappe parfaite.
faut attendre. Présence te condamne. Quel boulet ? Ce n'est pas encore prêt. Un peu de patience. Bien. Le gardien de la faille. Salut Xerox. Comment ça va? Voilà, je l'ai battu. Bon, j'arrive pas à faire mieux que tout à l'heure. Je suis
suis la meilleure pour ce qui est de raffiner les gènes. Alors, est-ce que je vais améliorer le truc? Moi, ça m'étonnerait, hein. Wow, j'ai réussi! Une amélioration! Ah non, mais c'est normal. Parler à Auric. En ville. Oh bah pardon, excusez-moi. Je scotche sur le jeu. Alors. Ouais, j'ai de la thune. Alors Zorox, est-ce que t'as fait un petit peu de... Tu t'es remis à Diablo 3 cette semaine? Y a rien d'autre. Ouais. Tu as fait quoi, du mode normal ou du mode saisonnier? J'ai rien d'autre là. Concave des éléments, bah oui ça. Pas en gond 600, bah ouais, tu m'as largement dépassé. Tu m'as largement dépassé. Eh bien joué! GG! GG, t'empêche. Ah, je t'avoue que... J'ai l'impression de tourner en rond avec ce... Avec ce mode. Là, je suis sûr, je vais pas réussir à l'avoir, ma chasse. Eh ben non, je ne l'ai pas eu. Ta-da-da-da-da-da. C'est chiant, punaise. Là, c'est pareil, je veux une chasse, mais je vais pas l'avoir. C'est un peu pas marrant. Puis là, je peux pas ajouter. Faudrait que j'ajoute un truc, mais je peux pas. Je suis bloqué en fait. Ouais, bah tu sais, avec le temps qu'il fait, Zarox, on a plus envie de se poser dehors à lire un livre ou écouter de la musique. Hein. C'est vrai que. Ah, j'avais envie de jouer un petit peu parce que Diablo, ça fait un moment que je suis bloqué et j'arrive toujours pas à me débloquer. Mais et je t'avoue qu'en ce moment, j'aime bien quand même jouer. J'aime bien prendre un livre et me poser. T'as préparé une autre musique au fait? Là, ça va être la saison là. Un peu de patience. Et bon, je reviens, les gens. Là. Ah non, faut pas que ce soit une obligation, hein, Zarox. Il faut que tu le fasses quand t'en as envie de le faire. Faut pas te sentir obligé de faire de la musique. C'est pour ça quand tu dis, ouais... Par exemple, si tu fais... si tu proposes une musique par semaine, ça te laisse largement le temps d'en faire. T'as moins de contraintes
c'est comme ça, quand t'as des fois où tu veux jouer plus à la console, et ben... D'ailleurs, en parlant de console, demain soir, je risque de jouer avec Kikou, hein, à 21h, si ça te dit. Je sais pas ce qu'on va faire avec Kikou, mais c'est sûr qu'on va jouer. De 21h à 22h30. Je l'ai mis dans le programme d'ailleurs, je l'ai rajouté, mais j'ai pas mis avec Kiki. Mais on a parlé d'ailleurs dans Party Online, il avait dit. Je lui ai demandé dans le salon Party Online et il est dispo le soir à partir de 21h. Et j'ai dit bah tiens, mercredi, c'est parfait. Donc il va foutre de l'ambiance, notre ami Kikou. Donc bah, si t'es dispo, n'hésite pas. Ce sera une partie à plusieurs. Il faut attendre. Il restera juste une place. Ah ouais, bah ça, ouais, je comprends. Pour ça, j'avais dit sous réserve, je savais pas si tu pouvais ou pas. Je l'avais dit dans le salon, je l'avais dit. Je sais pas si Xerox va nous rejoindre ou pas. Mais bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Ce n'est que partie remise, de toute façon on aura l'occasion de rejouer ensemble prochainement. Oh. Il faut du pognon là. Ce n'est pas encore prêt. T'as pas du tout. Au fait, t'as pas du tout commencé le mode. Le mode saisonnier à Diablo? Parce que franchement là je suis bloqué. Peut-être que t'aurais. Je suis bloqué à la chasse d'une arme légendaire au niveau 70. Ou rare je crois. C'est plutôt
Là, cette semaine, je vais faire que du Diablo 3 en fait. One Piece, je vais voir. Peut-être la semaine prochaine, j'y rejouerai. Mais là, je vais. Sauf si ça me saoule, Diablo 3. Mais là, je vais continuer Diablo cette semaine et pourquoi pas One Piece la semaine prochaine. Après, si tu veux faire du Diablo, je suis dispo. Là, il est 6h, j'ai une demi-heure devant moi encore. Donc, c'est toi qui vois. One Piece sera la semaine prochaine. Je suis même pas à la moitié du truc. C'est quoi ce truc de malade? Je sais pas qu'est-ce qu'il met Discord là. Alors. Je vois pas qu'est-ce qu'il met. Ok. Comment je fais? Bah moi-même, mais moi je sais pas en fait. Je me surprends. Je sais pas du tout en fait comment je fais pour être à l'heure. J'essaie d'arriver un petit peu plus tôt. Là tout à l'heure, je suis arrivé presque 10 minutes avant l'heure. Donc je préfère être un petit peu avant l'heure, patienter. Mais c'est pas évident. Je t'avoue que c'est pas évident. Ça dépend du matériel, ça dépend aussi des personnes qui. qui vivent avec toi quoi. Des fois on a besoin d'un service, hop, dernière minute, allez bam. Mais là ouais, je sais pas, je suis à l'heure. Sur PS3, c'est pas évident. Des fois je suis souvent en retard mais en parlant d'heure, samedi prochain, je l'ai pas encore indiqué, mais le soir, je vais pas pouvoir faire du game du week-end le samedi. J'ai besoin d'assistance. Ça me fait suer même. Donc, ah, ça c'est bien ça. C'est long hein, Skyrim. Je l'ai sur PS4, mais je l'ai pas encore commencé. Et ça, c'est un jeu qui est très long hein. T'es rendu à combien d'heures de jeu sur ce jeu-là d'ailleurs, Zaroth? Tu dois être à pas mal de dizaines d'heures, je pense. Le problème c'est que là moi personne peut me débloquer sur Diablo 3. Pas à ce stade là, vu que je suis en saisonnier, c'est du aléatoire. Je dois collecter de l'argent et je dois absolument mettre une chasse. Donc là en fait c'est à moi de me débloquer. C'est le problème. Donc à part faire des failles et puis des actes, je peux rien faire d'autre en fait.
tant que j'ai pas... Ça fait chier même. Il manque juste un truc pour terminer le, l'acte 4 quoi. Et toi t'es bloqué où à Diablo 3 ? Allez hop, explosé. Ah il faut vraiment, c'est de la thune moi qu'il me faut. Après, ce qu'il faut, c'est améliorer, changer d'arme. Sinon, si tu changes d'arme, t'es à quelle difficulté là ? T'es quel tourment ? Pas de thune. 9. Bizarre. Je suis en tourment 7 moi en ce moment là. Je pense que l'équipement, c'est l'équipement que t'as donné Kiku. Il est peut-être bon de l'échanger. C'est là, tu vois, moi je suis en tourment 7 et je me galère pas, pourtant je suis qu'à 175 en parangon, tu vois. Après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est améliorer aussi ta gemme légendaire. Ou tes gemmes légendaires. Quand tu fais des failles supérieures. Là, moi je pensais, tu vois, là je l'ai changé aujourd'hui la difficulté, ou hier, je pensais que j'allais me galérer, puis au final, tu vois, je suis pas... Et j'ai pas un seul primordial sur le dos. Hein. Que toi, tu dois avoir du primordial. Et des fois, c'est l'arme qu'il faut changer, ou c'est l'équipement, faut voir. T'es toujours avec un chasseur, toi, je crois, ça, ou un sorcier.
Moine. Ah, faut que tu regardes ton équipement, faut que tu regardes, ça se trouve. Il faut que tu aies quelque chose de plus fort. C'est pas normal que tu te galères comme ça avec ton niveau de parangon. Il y a sûrement un truc que... Ouais, je suis mort évidemment. À l'aide. Par contre lui il est costaud. Il est costaud à battre lui hein. Faudrait que t'ailles... Attends, je vais te donner l'adresse du site qu'il m'a donné pour que tu puisses comparer ton équipement. Je pense qu'il y a, il y a un truc qui va pas, parce que si t'es quand même niveau 9, mais c'est tu te galères sur les failles Néphalem ou les failles supérieures. C'est ça, c'est pareil. Ouais, je me galère pas plus que ça, moi au final, je suis mort une fois, mais. Ce n'est pas encore prêt. Je retourne. Attends, je vais te donner l'adresse du site. Toi, t'es moine. Merde, à chaque fois, je la ferme. Tu sais, c'est quoi le nom de l'équipement que tu as? Un beau combat. Moine, moine. Fine Emphalem. Ok. Attends, je te donne l'adresse du site qu'il m'a donné, Kiku. Tu regardes et t'as des classes. Tu vas avoir Tu vas là-dessus, tu vas avoir des classes d'équipement. C'est classé par moine et tout. Tu regardes toi ce que tu as et tu mets ton équipement en fonction de ce qui est indiqué sur le site. Et tu vas voir que ça sera peut-être beaucoup plus facile. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas. Non. Je peux pas faire plus que ça. C'est chiant. Alors, c'est moi. En gros, je suis comme ça. Je suis à tourment 7.
Et je me galère pas tant que ça. Mais si les failles supérieures, par contre, ça dépend du niveau que tu choisis. Mais tu vois, tourment 7, c'est niveau 30. Alors, si tu. Je sais pas, c'est combien. Tourment. Le tourment 9, c'est à partir de quelle faille? Mais. Niveau 28. Allez, je vais faire la 29. Je teste la 29. Puis bah après je vais peut-être m'arrêter. Non, bah fais en tourment 8, hein, Zarox. Tu fais en tourment 8. Tu regardes les armes. Ce qui propose, mais il faut vraiment que tu fasses comme sur le site. Tu vas voir. Ce sera le meilleur équipement que tu puisses avoir. Surtout que là, ton niveau, tu dois avoir pas mal de choses dans ton inventaire. Donc faut pas hésiter à le faire. Pas encore prêt. Ah, le bordel, hein, non?
Putain, la vache. Je vais réussir à aller dans les temps, là.283 victimes. Okay. Ce n'est pas encore prêt. Allez. Viens d'ici. Pourquoi il me fait ça?
pas encore prêt. Un peu de patience. Ça adjuste. Oh bah nickel. C'était juste mais je l'ai eu. À 8%. Eh bien c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas besoin de ce truc là. Que dalle. Bon, elle aussi. Je vais voir si je peux acheter des trucs armes à main. Non, bah non, j'ai pas besoin de l'arme à main. Moi, je suis con. Je vais peut-être plutôt prendre celui-là. Bouclier. Alors, je sais pas du tout. C'est peut-être Mojo. Mystère. Je ne peux pas me l'offrir. Alors, féticheur, je regarde un petit peu si j'ai pas. Ça m'étonnerait. Hein. J'y crois pas trop. Équipement. On me demande la ville ruche. Et ville ruche, ça va être Mojo, ça doit être ça, je pense. Main gauche. Ouais, Mojo légendaire. Je sais pas si je vais l'avoir, mais bon. Non. Bah, c'est pas grave. Compagnon, il a que dalle. Bon, on va faire du recyclage. Hein. Par contre, œil de la tempête, là, je vais le garder. Ok. Bon. Voilà. Je vais réparer. Ok. J'ai parlé à notre ami... Alors, est-ce que je peux améliorer? Ok. Bon bah j'ai pas, à part améliorer mon arme que je porte actuellement, j'ai rien fait. Parangon, allez hop, je vais affecter les points de parangon.
Tac, bon. Bon, et bien c'est tout ce que je vais faire pour aujourd'hui, ce sera tout. Malheureusement, j'aurais pas beaucoup avancé. Et je sais pas du tout comment je vais pouvoir. Je ne sais pas du tout je vais pouvoir avoir cette chasse, parce que là ça fait. Je suis sûr que je suis à 20h. Je suis sûr que je suis à 20h à essayer d'avoir cette chasse, je l'ai toujours pas. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais améliorer le niveau de difficulté. Faudrait que je teste voir. Je vais peut-être améliorer encore le niveau de difficulté, augmenter le niveau de difficulté la prochaine fois. Demain, je ne sais pas si je vais faire du saisonnier, puisque je sais, il est prévu que je fasse du Diablo 3, mais avec un de mes amis. Je ne sais pas ce qu'il lui va vouloir qu'on fasse. Est-ce que ça va être du, comment dire, du mode saisonnier ou du mode normal, je ne sais pas. Faudrait que ce sera en fonction de lui aussi. Voilà. Bon, avant de vous quitter, je vous remercie encore une fois d'être venu me rendre visite, d'assister un petit peu à cette session, malgré que voilà, ça commence à être de moins en moins intéressant puisque ça n'avance à rien. J'ai encore été 2 heures à pas avoir fait grand chose. Voilà. Moi, je suis désolé. c'est encore du bordel. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris la consigne encore une fois. Quand je dis qu'il faut pas parler trop fort, pas faire de bruit, c'est pas grave. Toujours est-il que oui, je vous remercie encore une fois d'être venu. Je suis désolé si les sessions de l'après-midi sont pas très intéressantes. Je remercie quand même Zarox et Needles d'être venus me faire un petit coucou sur ma chaîne. Au moins j'ai trouvé la session plus intéressante. je me suis moins ennuyé, donc merci à vous deux les gars. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h pour du GTA 5 comme hier. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être une bonne petite session. Voilà. Je vous souhaite encore une fois un bon appétit, un bon début de soirée, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h. Allez, salut!